Bonjour tout le monde, ici Caribou Kinetic vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Jotun. Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je me souviens du sang, du bois qui se fissure et éclate, le hurlement du vent et le fracas de l'eau sur mon visage. Et j'ai là ma peau d'un froid que je n'avais jamais senti auparavant. Et notre bateau coula. Dans l'obscurité sans merci de l'océan, les mailles translucides du filet de Ran m'emportèrent. Je fus traîné de plus en plus profondément vers le royaume de la déesse de la mer. La mort était venue pour moi. Même mon âme de guerrière ne pouvait étancher la soif meurtrière de Ran. La noirceur vint, mais lorsque je me suis réveillé, je n'étais pas dans un palais d'algues d'or, mais dans le calme et le silence. L'arbre qui relie les neuf mondes magnifiques. La tombe. Tu dois découvrir une rune dans chaque niveau. Une fois trouvée, tu peux continuer ton exploration. Ou retourner à Jenungabgab. Pause pour voir la carte. Jusqu'en ce poste qu'on zaga. Thank you.
pense que si je vais près d'un affaire bleue, ça l'empêche de poison venir sur moi. Peut-être pas. Je puis sacrer de Mimir dans lequel j'ai sacrifié mon œil, et ce tuera ta vie et tes pouvoirs. Dans lequel j'ai sacrifié mon œil, et ce tuera ta vie et tes pouvoirs. Trois chemins.
La guérison divine m'est accordée. Gloire à Fringe, reine d'Asgard, déesse des naissances et de la sagesse. Gloire à Fringe, reine d'Asgard, déesse des naissances et de la sagesse. Ah. Toon me ment sa vie. Aïe, Toon. Pendant ta quête, Toon, gardienne des pommes d'or et déesse de la jouvence, t'aidera. Trouve ces fruits pour augmenter tes points de vie. Donc, c'est bien savoir. Je pouvais le désir d'avoir brisé le sceau de tombeau. Ok, je comprends, mais là je suis fourré. Elle m'a rempli en appuyant un bouton. Tu as assez du pouvoir divin, c'est B. Il faut pas que j'appuie B. Hey zut, je sais plus où aller, j'étais à mauvaise place. Seuls les dieux savent ce qui se cache dans cette tombe. Ah, j'ai réussi à me rendre. Ah, ben j'ai réussi à faire ce que je voulais sans le vouloir. Avant d'aller là. Je vais aller après voir si je peux me remplir ici. Je vais aller après voir si je peux me remplir ici.
Grandis à mesure. Yes. Je te souhaite que cette deuxième mort t'apporte finalement la paix. Tu as trouvé la rune de Jitra, la jotun de la forêt qui est en symbiose avec la nature. Sors nous explorer. On retourne à Ginnungagap. Ginnungagap. On retourne à Ginnungagap. Ginnungagap. Pour affronter les formidables Jotuns, trouve les runes cachées à travers les royaumes. Vins, les Jotuns, éprouve ta valeur aux dieux. Vins, les Jotuns, éprouve ta valeur aux dieux. Jera. Jera, tu es la rune de la récolte, de la fertilité de la terre. Jera, tu es la rune de la récolte, de la fertilité de la terre. Je frappe jusqu'à le vent ou...
Oh. Les deux ne sont pas impressionnés, j'imagine. GG, c'était beau, je suis surpris. J'ai aimé le mécanisme, c'était beau. Calé. Je me suis pris dans la branche. Encore!
Encore fait tuer. Ah, oh, je suis mort. Wow. Hey, je suis pas... Et déjà, pourquoi je me fais frapper au début, là? Ça aiderait en tabarouette. Et déjà, pourquoi je me fais frapper au début, là? Ça aiderait en tabarouette. Ben là! Ben là, Rémi. Ben là, Rémi. Incroyable. Hey, je suis nul là. Boum, enfin!
Nice. Tu as impressionné les dieux. Je m'appelle Tora et je suis née guerrière. Neuf nuits tempétueuses suivant le dieu du tonnerre. Mon père était le chef de notre village. Aux côtés de mon frère et de leur équipage, il a traversé les océans dans les drakkars magnifiques, ramenant richesse et gloire à notre clan. Dès un très jeune âge, on m'a appris à me battre, inspiré par la sagesse, le courage de mon père et les légendes des dieux. Je suis devenu la parfaite guerrière. Quand j'ai atteint l'âge, mon père me donna ma chérie et m'invita à bord du drakkar. Le sang de Ymir. Le premier géant est né de Ginnungagap. Son corps devint le monde. Au début, il y avait le néant, Ginnungagap. Dans celui-ci grandissaient deux mondes, Muspelheim et Niflheim. Une éternité s'écoula avant qu'ils ne se touchaient. Et de leur collision naquit Ymir, le premier géant.
Ah, faut que je trouve toutes les autres pièces, il y en a. Ok, il y en a un, deux. Il y en a encore quatre autres à trouver, je comprends. Alors qu'Ymir dormait, les événements qui formaient son corps devinrent solides. Il se mit alors à transpirer, donnant naissance au géant de glace. Mimir, génère ton esprit. Mais merci, Mimir. Loin de Ymir naquit la vache Amumba. Faite de pureté, Amumba commença à lécher la glace pour laquelle elle se tenait. Trois jours passèrent avant que le corps de Buri, ancêtre des dieux, fût révélé.
Comment ça va, Bendy? J'avais déjà joué, j'avais aimé ça. C'est une bonne idée de le recommencer. J'ai sûrement oublié quoi là. Ah non, j'ai pas gagné la dernière. Uri donne la naissance au bord et ensuite Marie. Maria Besla. Ensemble, il y a trois fils. Vili, Ve et Odin. Ceux qui naquirent de glace et de feu avaient une bonne âme. Alors que ceux qui naquèrent d'éléments impurs portaient une noirceur dans leur cœur. La misère au boss là. Ah, tiens. Il y a un fruit. Il serait important de pogner, mais je sais pas comment. C'est pas les arbres qui se coupent, ceux-là. Je vois le fruit. Comment y aller? Oh, je viens de le voir. Haha, yes. Ma barre d'énergie monte. Thank you.
Oh! Fili veilleux d'un tueur de géants Ymir. Sa chair devint la terre, son sang devint l'eau, ses cheveux devinrent l'herbe et les arbres. Son crâne devint le ciel supporté par les quatre nains. Ainsi notre monde fut créé. Est-ce qu'ils sont tous allumés? Un, deux... Oh oui, le mythe est complet. Ça sent le boss. C'est beau, par exemple. C'est beau, l'histoire intéressante, gameplay. Tu as trouvé la rune de sang de Ymir. Continue d'explorer. On retourne à Ginnungagap. Et je retourne comment à Ginnungagap? Là, je peux... Oh! Tu me disais ça parce qu'il y a quelque chose de caché ici, là? Ok, mais pourquoi tu mets un arbre là si je peux pas passer? C'est chiant ce monstre. Je trouve ça bizarre qu'il met un arbre là. Je peux pas passer. Je vais passer, je vais bugger le jeu. Je m'en vais où à Ginnungagap? Comment plutôt? Faut charger juste de là, non? J'arrivais d'où, moi? Ah, ok. Ça, c'est le premier gîte. Il arrive d'où, ce bateau-là, là-bas, là? Si lui arrive, lui s'en va? Non, il est encore là. Ah non, ça c'est l'af. C'est le dernier, ça, je veux pas aller là. Je reviens.
Et voilà, j'ai trouvé. Le néant. Après ça, il y a celui-là, qui a un autre chemin. Allez, on poursuit l'aventure. Le cratère. Un cratère colossal rempli d'adversaires enflammés. Comment tu le trouves visuellement pis ça? Ouch. À garder, j'avoue. Que je vais. Tabarnak! Je me rappelle pas d'avoir déjà été là.
Regarde les vues comme ça. Ça, c'est beau en esthétique, là. Je pense pas d'avoir déjà été là. Ça, c'est vraiment beau, hein. Le monde des géants. Ah, c'est ça, je cherchais avant de me remplir. Tiens. Mimi, régénère ton esprit. Je voulais pas utiliser mon affaire pour me remplir. Et voilà. Ça m'en a donné deux autres en plus. À moins que j'en avais déjà deux, je sais plus. Le premier boss, c'est un petit géant, puis à mesure que tu le frappes, ben c'est un monstre, ma grosse homme, à mesure que tu le frappes, sa barre d'énergie, il grossit jusqu'à temps qu'il vient super grand. Il est pas dur, par exemple. Je suis un peu mêlé, je sais pas où aller, là. Ça change. C'est quelque chose que j'ai pas vu, là. Ça. Ah, il y a des pierres. Ah, ici. Je peux aller en bas. Je l'ai tué. Shit.
J'ai perdu d'énergie. Tabarnak. Tu sais, je peux me faire des chemins où je veux en réalité, là. Chose qui me tracasse. Il en se donne quelque chose aussi. C'est bon. J'ai déjà été là. Je me rappelle de ça, me semble. Putain, non, je peux-tu me remplir de nouveau? Bouge, je t'ai pris. Oh, je peux pas y aller là. Ben, je pourrais, en faisant ça... Non. Ah! Ok, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ne vois pas?
Ah, ici, ça je vois pas. Ok, Yadish, je viens de comprendre. Calice. Ok, ça marche plus, là. Hein? T'es qui, toi? Ça, c'est là que j'ai été tantôt, j'imagine. J'imagine que j'ai déjà été là. Là, faut que je fasse un chemin qui va vers le bas. Tabarnak! Thank you.
Chris, je suis plus sûr qu'il y a un chemin là, moi, là. Je vois rien. Tabarnak! Pour vrai, je pense que j'aurais de me faire un chemin dans le vide. Je vais aller voir l'autre bord. Mais j'arrive d'où, moi, là? J'allais pas à la bonne place. Non, fait pas que je le tuais, tabarnak! OK. Oups. Pas beau ça que j'ai fait là. Toi et ça, ce que tu vas me donner. Je joue au hockey au golf comme Happy Gilmore. Je sais plus, là. Là, je suis mêlé, là. Je me fais tuer! Et je vais atterrir à ça, pas là-bas au début. Et je vomis partout. Ah, si, bah là, c'est loin ça!
pas si loin là. Tabarnak. Encore. Finalement, c'est pas si loin, c'est là où j'étais dans tantôt. Ils sont trop forts, eux autres. Tu as trouvé les deux runes de Conan. Le jotun de feu de Gunamagagara continue d'explorer ou retourne à Gunungana. Ben, je veux m'en aller, c'est que là, je suis pas sûr que. Faut que je retourne là-bas au début. Là. Faut que je trouve mon chemin, c'est que pas le fun. C'est la partie la plus compliquée, c'est de trouver son chemin. Là. Perdu là. Ça va pas bien? Ben. Thank you.
Ah ouais. Ah, l'eau a descendu un petit peu plus. T'avoue, je suis tout perdu, je sais plus ce que je vois. Tourne en rang, moi, là. Peut-être pas, mais je pense que oui. Ah non, là, je pense que ben, je sais plus. Ah non, ok. Ah yes, ok, ouf, je me retrouvais. Salut Mouche, comment ça va? Tu connais-tu ce jeu-là? C'est un jeu québécois? Qu'est-ce qui fait ça déjà? Je l'ai écrit, c'est Tonne de Lotus. Mmh.
Bon, enfin! Boum! Le néant! Et là, logiquement, on devrait aller par là. Mais là... Ça va être tout! Pour l'aventure du jeu. Jotun! Voilà. Live! Sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!